Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas. Donc aujourd'hui, on va finir le sapin parce que hier, je vais vous montrer l'état de l'appartement. Hier, on avait commencé le sapin, etc. Je vous fais un petit résumé. J'ai vu que j'avais pas de boules en fait. J'avais plein de boules bleues, etc. Mais pas des boules rouges et boules comme ça. Genre, j'avais rien du tout. On est allé à Truffaut avec mes beaux-parents, mon copain. On a acheté des boules, on a acheté des petites choses, etc. Et que je devais vous montrer, voilà, aujourd'hui. Bah, même si je vous les ai un peu montrées hier, vous voyez pas très bien avec la lumière du lustre. Donc, en fait, on a tout laissé en plan parce qu'on s'est couché à 1h. On était crevés, on n'avait pas dormi la veille. Donc voilà le délire, c'est le bordel. Donc là nous avons le restant des décorations qu'il faut mettre. Là c'est d'autres boules que je pense pas mettre. Là c'est des petits trucs à jeter. Là c'est ce matin ce qu'on a bu. Là c'est la neige, là c'est les petites bougies. Là c'est ce que j'avais pris pour mettre dans le sapin, mais je pense qu'en... On pourra plus les mettre là. Faut que je mette ma petite guirlande aussi. Là, il y a ma bichette qui n'a toujours pas touché au sapin, donc je suis très fière de lui. J'ai installé la petite lumière. Mais je pense pas que vous allez voir quelque chose là. Ouais, vous voyez rien. C'est pas grave. Enfin, j'ai installé des petits trucs là pour l'instant, voilà, pour voir ce que ça donnait. Mais là, j'aime pas trop. J'ai installé ça là aussi. J'ai installé ça aussi, c'est ce que j'ai acheté à Truffaut, donc je vais vous montrer ça. Donc en fait il y a 4 petites tiges comme ceci. Ça coûte 6,75€. 4 ou 3? Non, 3. 3 tiges comme ça, donc c'est super beau, c'est ce que je vous avais montré dans la vidéo Truffaut. J'adore ce genre de petites compositions. Et ensuite on a pris une branche sapin avec une pomme de pin, etc. Ça existait en rouge aussi, mais je trouvais que ça faisait plus joli blanc, puisqu'on a beaucoup de rouge à côté, et mon copain il aime bien, donc pour une fois que mon copain aime bien quelque chose de Noël. Donc j'ai pris ça, donc ça fait super joli. Je vais essayer de vous montrer comme ça, c'est super joli. Donc la petite m'a coûté 9,95€, et les branches 6,75€ unité, donc ça fait une petite combo à 35€, mais au moins ça va durer dans le temps. Et c'est un teint, comment dirais-je, c'est un terre comment on appelle ça, bébé? Temporel, en vrai, intemporel. Oh là là, donc ouais, j'aime beaucoup. Après, si je crois, j'ai mis les petits gugus là de chaque côté avec une guirlande, donc ça faisait bien hein, le soir. Mais je trouve qu'ils sont pas bien mis en valeur, mes petits gugus. Donc il faudrait que je vois ce que je peux mettre. Et ensuite, bah voilà, il faut qu'on continue le sapin. Je vais juste vous montrer ce casse-noisette. C'était l'une des pièces phares de Truffaut, comme je vous avais dit dans les vlogs. Vraiment, il est trop trop beau. Alors l'aspirateur en fond, c'est magnifique, Elisa. Mais en gros, il y a une petite plume là. Il a la bouche qui s'ouvre. Il y a le petit... petit tambour là, ça me fait penser à mon père qui est musicien. Et voilà, j'aime beaucoup 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 beaucoup, donc je suis trop contente, vraiment je suis trop 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 contente de cet achat là. Il coûte 29€. Après vous avez la taille en dessous, il coûte 22€, mais en soi c'est plus sympa de prendre ça. Ensuite à Truffaut, j'ai racheté ça, donc c'est un casse-noisette avec une petite lance. J'ai aussi le prix avec le cadeau, mais je crois que je vous l'ai déjà montré hier, je suis plus sûre, mais je sais pas si ça rendait bien avec la lumière, donc les petits casse-noisettes comme ça. Et j'avais pas capté, mais quand on tire comme ça, ça fait ça. Non mais c'est génial. Donc la petite boule ici, les boules de chez Truffaut, les petits champignons, ils sont trop trop beaux les champignons. Dis ce que t'as toi. Bah oui. On n'a pas fini d'installer les bonhommes en fait, donc il faudra que j'installe les bonhommes. Il faut que je joue mes calendriers de l'avant aussi, ce serait pas mal. Il faudra que j'installe ici aussi un petit coin. Oui, il est en haut, on a compris mon cœur. Oui. Bah oui, dis-lui de se lever. Bah on a compris, je te jure qu'on a compris. Je te jure qu'on a compris. Ensuite j'ai mis ces petites cloches là, je trouvais ça magnifique à Truffaut. Et j'aime beaucoup le rendu, ça fait très très joli. Donc voilà, j'ai allié un peu le naturel et le traditionnel. Avec voilà ce petit champignon magnifique, des boules blanches. J'ai pris celle-là de boules blanches, ça venait de chez Leroy Merlin celle-là. C'était un pack de 3 à 2€, je les avais eu à 40 centimes, vous savez, avec les moins 80. J'ai mis aussi une petite, enfin une grosse boule allumée qui s'allume ici. En bas aussi j'en ai mis parce qu'il manquait un peu de lumière. Après voilà, j'ai mis cette poinsettia qui vient de chez le Truffaut aussi. C'est comme mon étoile, mais moi je mets pas d'étoile en fait sur le dessus, je trouve ça moche. Donc j'ai préféré mettre une poinsettia. J'ai plus de voix. Et voilà pour... mon petit truc. Après j'ai mis... Ah, j'ai pas mis le truc de ma pote Sarah. Il est là. Alors ça c'est... Ah, faudrait que je le mette celui-là. Voilà. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là, il en manque. Le petit biscuit. Ça je l'avais acheté à Laura Merlin, je crois.
Donc voilà, bon, mon petit sapin. Petit sapin, on a mis pas mal de temps quand même hier à le faire. Là, j'ai un peu fignolé, j'ai rajouté quelques petites boules qui me restaient là, comme ça. Et on va finir la décoration de l'appartement parce qu'on a plein de choses à faire. Genre là, j'ai des affiches qui font Los Angeles, etc. Ça n'a rien à voir avec Noël. Donc j'aimerais bien voir ce que je peux faire comme affiche puisque j'avais reçu des affiches décennaux. Je voudrais voir ce qu'il y a de ce que j'avais pris et qui pourrait faire un peu Noël ou hivernal, tu vois. Donc peut-être mon cerf, vous savez, mon cerf, mon renne, peut-être que lui pourrait. Pourrait faire penser à Noël, donc je vais regarder ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de beau là avec vous? On va essayer d'installer bien comme il faut le sapin, genre ce qu'il y a en bas, etc. Et j'aimerais installer les bonhommes lumineux. Et il faut vraiment que j'achète une multiprise pour le sapin, parce que là en fait on l'a branché à une prise, mais en fait la prise est derrière le canapé, donc il faut qu'on pousse le canapé et qu'on branche la multiprise, tu vois, pour le faire. Donc c'est un peu galère. Ah oui, et aujourd'hui je travaille, hein, je vais à la fac. Donc je vais pas vous emmener avec moi, enfin je sais pas si ça intéresse des gens. Je vais juste à mes TD d'aujourd'hui. Et ensuite je finis et après bon, on rentre, je finis à 17h. Je finis à 17h et donc je rentre à la maison et je vais essayer de fignoler tout ça. Je vais pas montrer comment ça fait avec les lumières, ça fait super joli. Mais je vais vous montrer ça ce soir, ça sera beaucoup mieux. Ah oui, je vous ai pas dit hier, j'ai cherché pendant je ne sais combien de temps la prise, ma guirlande lumineuse. Parce qu'en fait j'avais la guirlande mais j'avais pas la prise qui allait avec. Et je sais qu'en fait l'année dernière j'avais oublié de la mettre dans la boîte. Donc je me suis trimballée du déménagement en déménagement, dans les cartons etc. Et je la trouvais plus là alors que je la trouvais tout le temps avant. Et donc j'ai regardé dans mon matériel vidéo et c'était là dedans. Donc j'avais peur, je me suis dit putain merde, j'ai amené les beaux-parents pour faire la décoration de Noël avec moi. Et puis là je peux pas la faire parce que j'ai pas le truc des guirlandes. Donc c'était chiant. Et finalement j'ai retrouvé, je suis en mode ah, oh, yes. Ah, oh, j'étais deg hier. J'étais tellement en mode mais c'est où? Qu'est-ce que t'as, Tchuk? Mais t'es avec papa? Bah, embêtez papa. Donc on va arranger le. Bah, tout ce qui est là en fait. Donc là j'ai passé un petit coup d'aspi, il y a quelques petits conneries qui se mettent dans les trucs mais bon c'est pas grave. Et je vais faire ça là, je vais faire ici avec la neige, je vais mettre le bouquet avec d'autres petites décorations ici. Donc après faut pas trop que je fasse parce qu'il y a le mec de Free qui va bientôt passer pour d'ici quelques jours pour mettre la fibre, donc il faudrait que tout je bouge. Voilà, on va faire ça, j'adore mon sapin, je sais pas si je vous avais montré mais j'ai acheté ça sur AliExpress. Mais j'ai acheté en rouge et en doré. Genre pour même pas 40 centimes les 25 ou je sais plus quoi. J'ai acheté des petites pommes de pin aussi que tu achètes en grande surface, c'est beaucoup trop cher. Et là je les ai achetées sur AliExpress, c'était pas cher du tout. Et j'ai acheté d'autres choses à AliExpress, je vous montrerai ça plus tard. Trop trop beau, j'aime trop mes petits champignons. Franchement c'est un gros coup de cœur pour ces champignons. Et c'est parti vraiment à une de ces vitesses, ce genre de champignons. Il n'y en a plus du tout en magasin. Si ça vous intéresse de ces champignons-là, bah allez vite. Parce que même les cassonettes, ils en ont recommandé à Evry, mais les champignons... Ça va être fini, je pense. Donc là, il y a ce genre de figurine qui tient pas trop sur ça. Même le bouquet, là, il tient pas beaucoup. Mais j'essaie de le faire tenir avec les petites guirlandes lumineuses, là. Ce que j'avais fait avec l'autre aussi, j'avais fait ça. On va mettre ça ailleurs et on va mettre des choses plates ici. Donc je pense que je vais mettre, vous savez, les petits sapins. Je trouve ça trop fade. Il manque quelque chose. Alors ça, je sais pas si ça fait bizarre. Ah, c'est déjà mieux. Ça. Ça là. Ça, on va laisser parce que c'est une maison qui s'illumine. Ça, j'aimerais bien le laisser. Je vais voir si j'ai d'autres choses à mettre. Bon déjà le Père Noël il va aller là-bas. Oula. J'aime bien là, ça fait joli genre à la place de ça peut-être. Ou à la place d'une plante. Ah ça fait bien non là. Je sais pas, comme ça on le voit bien. Ouais ça je le mets dans la cuisine avec les plantes sur le frigo. Comme ça ça va faire une petite plante sur le frigo. Ça faut que je m'en occupe, hein. Faut vraiment que j'enlève les phytonies à mort et tout. Ça a pris vraiment trop d'ampleur ça. Faut que j'en enlève. Qu'est-ce que je peux mettre au-dessus là? Faudrait peut-être mettre un petit truc là. Moïa. Oh là là, il fait dodo Moïa. Ah vrai. Je guette. Donc j'ai mis mes petites guirlandes là-dedans, donc ça fait super joli. J'ai laissé deux petits fils comme ça pour mettre au-dessus,
pour que ça fasse une petite lumière. Ça par contre je n'aime pas du tout comment j'ai fait ça, genre je trouve ça trop, trop moche. Je pense que je le mettrai ici en face, genre sur le devant. Et il me manque encore quelque chose au milieu, il me manque un truc. Mais je sais pas quoi, mais il me manque un truc. Ça j'ai pas envie de mettre le glacier non plus, enfin je trouve ça, ça va faire trop. La bougie, ah, je pourrais mettre une bougie tiens. Une bougie comme ça. Oh, ça fait trop, non? Bon, dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Parce que là, je ne sais pas. Parce que ça, ça s'illumine aussi, ça. C'est joli. Voilà, on va mettre Mickey ici. Ça, je pourrais mettre des décos ici. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre? Déjà, on va mettre la neige. J'ai mis le Père Noël ici, comme ça, quand je vais vouloir le brancher, en fait, j'ai juste laissé le fil juste là tout le long, et ça va aller jusque là-bas, vers la multiprise. Je pense que je vais faire ça. Alors, je vous présente ce que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu la marque Payot. Payot, je vous en ai déjà parlé, je pense, plusieurs fois. C'est une excellente marque, j'adore cette marque. Et là, je viens de recevoir un petit baume super réconfortant. J'adore son packaging, il est hyper original, trop trop beau, j'aime trop le packaging, il est archi beau. Et à l'intérieur, c'est une petite crème, je vais vous la montrer comment elle est. Donc voilà comment est la crème, elle est dure en fait, ça qui est drôle. Une espèce de boîte de baume, et genre tu mets ça au niveau de tes coudes, de tes genoux, de tes mains. Genre moi je vais la mettre sur mes cuticules parce que j'ai les doigts hyper secs et tout. Même là sur les phalanges, là sur le... Là, ah mon dieu ça va être trop bien. Et quand tu l'appliques, et ben ça fait une espèce de... Pas un effet huilé, mais c'est hyper agréable. Et ça t'hydrate énormément la peau, donc c'est plus pour les peaux tiraillées. Donc si vous avez, voilà, en hiver, les mains qui sont toutes rêches ou je ne sais quoi, ce baume il est fait pour vous. Donc il est fait d'amandes douces, d'huile de coco et de beurre de carité. Donc, tous ces ingrédients sont faits pour hydrater et nourrir la peau. Trop trop beau, j'adore le packaging, c'est hyper intéressant comme packaging pour un baume. D'habitude on voit souvent en forme de tube ou je ne sais quoi, et là bah pas du tout. Et en plus c'est recyclable vu que c'est du verre. Donc bah merci à la marque Payot de m'avoir envoyé ça, je pense que ça va être bien m'être utile pour la période hivernale. Donc bah merci beaucoup. Le cadrage les gars c'est une catastrophe. Donc ah il est bien ce baume, hein. Ça fait du bien, j'avais un bobo là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, je me suis brûlée. Et là ça me fait du bien. Oh ah ouais. Par contre j'ai les doigts un peu gras, ça le problème de ce genre de baume. Parce qu'après c'est très très gras, très huileux. Donc j'espère que je vais pas en foutre partout sur mon ordi. Donc là le programme c'est que je vais aller en cours. Ensuite je vais à Action pour chercher tout ce qu'il fallait que je cherche. Genre PQ et tout le bordel. J'en viens là au champ aussi, au KB d'Auchan pour chercher de la viande. Que monsieur n'en a plus donc c'est un peu galère. Donc pour la déco c'est même pas encore fini. On a tellement de choses à faire en si peu de temps. Donc là je vais devoir encore laisser en bordel. Ça me saoule, je déteste laisser mon bordel pas possible derrière moi. Donc voilà l'avancement, je pense que quand je vais arriver il fera nuit. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Ça donne, donc j'ai mis pour l'instant voilà le Mickey avec les deux trucs là comme ça. Je trouve ça assez joli. Genre, enfin ça fait bien, j'aime bien. Ensuite j'ai mis mon Père Noël, j'ai mis un autre Père Noël ici, j'ai mis une petite maison ici. Là, le sapin est comme ceci. Donc de toute façon je vous ferai tout, un room tour de tout ce qu'il y a etc. Pour ceux qui me demandent oui où est-ce que tu as eu ça, où est-ce que tu as eu ça. Je vous ferai un room tour de tout ça, vous montrer la déco. Si je sais pas si je vais décorer parce que mon copain il aime pas quand il y a des trucs devant la télé. Moi aussi j'aime pas trop. Je mettrai ma petite bougie ici. Ça je vais essayer de voir où est-ce que je peux le mettre. Mais j'ai pas décoré là-bas en fait encore. Donc voilà. Les petits cadeaux tout ça. Alors soit je mets en dessous du sapin. Soit je le mets vers là-bas en fait. Vers les plantes. Mais voilà il y a encore pas mal de boulot. Je pensais pas que ça me prendrait aussi autant de temps. Donc bref je vous emmène avec moi à ma fac. C'est que je viens de finir mon cours, je vais rejoindre mon copain à Tolbiac pour qu'on aille à Kremlin-Bicêtre pour qu'on puisse aller chercher des trucs à Action. Je viens de finir mon cours, je suis au bout de ma vie, je comprends rien du tout à ce qu'il raconte. Genre on parle de RADP, PPDA, DADP, je comprends rien. Donc faut vraiment que je bosse, sur ça. Et là il y a mon bus qui arrive donc je vais y aller, on se rejoint donc à Action. Ouais j'aime bien ça, ça j'aime bien. Bon bah laissez-vous les enfants. Hein. Voilà nos champs de OKB. Qu'as-tu découvert mon cher homme? On va prendre celui-là. T'as pris des sacs pour faire les courses? J'en ai pris deux. Oh, mais tu pouvais pas prendre un caddie. Là c'était bien ça bébé. Tu sais couper ça en plus.
Donc là, on vient d'aller à Action. On a acheté pour 35 € de produits. Donc je vais vous montrer tout ça dès qu'on rentre. Là, on s'est pris un truc au McDo. Et j'ai un gamin en face de moi qui arrête pas. Il a 6 ans d'âge mental. Donc on s'est pris un McFlurry et un Berry Parfait. J'ai trop faim, j'ai pas mangé ce midi. J'ai rien bouffé. Et 18h et quelques là. On va rentrer, on va mettre les courses au frigo. T'as rangé ? Waouh ! T'as une bichette, toi, hein ? Ça y est, pas grand chose à ranger, mais. Donc on a pris de la viande comme ceci, 11 € et quelques là. Comme ça, il va nous faire des petites tranches très sympathiques. De la bavette d'Aloyo, ça j'adore. C'est ma partie de viande, c'est super cher, mais c'est ma partie de viande préférée. Des cuisses de poulet, qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Mais la dernière fois, on avait acheté ça. Sauce forestière avec la bavette, ça va être hyper bon. On va se faire ça. Avec les petits haricots verts et tout. Oh, ça va être trop bon. Alors, on a pris ça, c'est pour faire avec le poulet de ce soir. Alors, on a pris des raviolis. Des raviolis. Non, c'est pas des raviolis, c'est bouché. Des raviolis, là, ensuite. On a pris du riz cantonais. Ça, je sais pas ce que c'est. Du poulet au chef, là, je sais pas quoi. Le poulet caramel. Et petite nouille. Avec ça, on a repris du PQ, donc. Très intéressant. Du sopalin, parce qu'on avait plus. J'ai repris tout ce qui est harpic, etc. J'en avais plus non plus. J'ai pris des piles parce qu'il m'en faut. Avec toutes les décorations que j'ai, bah, les piles, c'est la base. Des sacs poubelles. J'ai repris ça. À chaque fois, ça, c'est super bien, ça marche très bien. J'ai repris mes lingettes, donc les lingettes Spargo pour les WC et pour multi-usage. J'ai repris du liquide vaisselle. J'ai pris de la lessive à 11 € et quelques. Il y a 47 tubes, là, enfin 47 pads. Donc pod pardon. Donc j'ai jamais testé les lessives de Dash, donc on va tester ça. Et on a pris ensuite des trucs pour faire burritos ou je sais pas quoi. J'en ai pris deux de 6 packs. C'est des Dorum. Dorum. Bah je pense que je vais vous laisser maintenant puisque je vais ranger tout le salon, etc. Je veux que pour demain vous ayez la vidéo appartement tour, enfin room tour de décoration de Noël. Je veux que vous l'ayez demain. Donc je vais tout ranger, etc. Je vais tout faire rapidement pour que vous ayez la vidéo demain. Parce que demain je vais donc la filmer et je vous la poster le jour même. Donc ça va être hyper compliqué pour moi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste si c'est trop fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.